Laudato Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct de la salle Paul VI au Vatican pour l'audience générale du mercredi. Le Saint-Père vient d'arriver dans la salle Paul VI et avec le signe de la croix, il va donner l'envoi de cette audience. La pace sia con voi. Jean-Charles Puzzoli pour vous accompagner pour les commentaires de cette audience et je salue les radios partenaires, Radio Salve Regina en Corse, Radio Notre-Dame, EWTN TV, Radio Espérance, C'est les Lumières au Canada, Radio et TV catholique Elikia Kinshasa, Radio Marie en République démocratique du Congo également, Ecclesia TV en Côte d'Ivoire et puis au Liban, Sancta Maria Network, ainsi que La Voix du Seigneur au Canada. La lecture du jour est extraite de l'Évangile selon saint Luc. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. » De l'Évangile selon saint Luc. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. » Parole du Seigneur. Bon, la lecture que j'avais doublée en français lorsqu'elle était lue en italien et que vous venez d'entendre en français, que vous allez maintenant entendre dans les autres langues, parler au cours de cette audience générale. Et nous sommes le mercredi 30 mars, nous approchons de la fin du carême et de la période de Pâques. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, looking forward to the consolation of Israel, and the Holy Spirit rested on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Messiah. Guided by the Spirit, Simeon came into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him what was customary under the law, Simeon took him in his arms and praised God, saying, "Master, now you are dismissing your servant in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation." The Gospel of the Lord. Je vous rappelle, pendant que l'on entend ces lecture en différentes langues depuis un mois déjà, le Saint-Père a entamé une série de catéchèses sur la vieillesse la semaine dernière, notamment. Il avait été question de Moïse comme modèle de transmission entre les générations. Saint-Père, parlant des personnes âgées, avait repris cette image aussi pour dire qu'elles sont des relais de foi entre les personnes âgées et les nouvelles générations et que le dialogue, mais c'est un message répété plusieurs fois tout au long de ce pontificat, le dialogue entre les générations est non seulement nécessaire, mais il est fondamental pour la transmission
de la foi, mais aussi pour la transmission de beaucoup d'autres choses. On peut penser au savoir, par exemple. Aujourd'hui, donc, la cinquième catéchèse sur la vieillesse, qui sera centrée sur la fidélité à la visite de Dieu pour la génération future, précisément en lien avec la lecture que nous venons d'entendre aujourd'hui. Wort des lebendigen Gottes. Et si vous suivez ces audiences générales de façon régulière, vous vous rendez compte que les langues parlées sont, après l'italien, le français, l'anglais, on vient d'entendre l'allemand, l'espagnol, le portugais, le polonais et l'arabe. Il consuelo d'Israël et el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, Simeón fue al templo, y cuando los padres introdujeron a Jesús para hacer por él lo que se acostumbraba según la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ahora puedes dejar partir a tu servidor en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Palabra del Señor. Et si vous écoutez cette audience à travers les ondes de Radio Vatican ou de nos radios partenaires, sachez que si vous voulez la voir, vous pouvez vous rendre sur le site internet vaticannews.va, elle est en direct vidéo également, ou plus simplement sur notre chaîne Vatican News FR sur YouTube, également en direct sur Facebook, ne l'oublions pas. L'Espíritu Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias. Impelido pelo Espírito Santo, veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus a fim de cumprirem o que ordenava a lei a seu respeito. Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a salvação. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. وكان في أورشليم رجل بار تقي اسمه سمعان ينتظر الفرج لإسرائيل، والروح القدس نازل عليه. وكان الروح القدس قد أوحى إليه أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين مسيح الرب. فأتى الهيكل بدافع من الروح، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة، حمله على ذراعيه وبارك الله فقال: الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام وفقا لقولك، فقد رأت عيناي خلاصك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni.
A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Oto słowo Pańskie. La dernière lecture était en polonais, après l'arabe, après le portugais. Il y a de nombreuses personnes dans la salle Paul VI aujourd'hui. Nous sommes encore en période de restriction Covid, donc tout le monde porte rigoureusement un masque FFP2. Chers frères et sœurs, bonjour. Bien. Nostro itinerario di catechesi sul tema della vecchiaia. Au cours de notre itinéraire catéchétique sur le thème de la vieillesse, nous contemplons aujourd'hui le tableau de tendresse dépeint par l'évangéliste Saint Luc, qui met en scène deux figures de personnes âgées, Siméon et Anne. Leur raison de vivre avant de prendre congé de ce monde est l'attente de la visite de Dieu. C'est-à-dire Jésus. Siméon sait, par une prémonition de l'Esprit Saint, qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Messie. Entrambi riconoscono la presenza del Signore nel bambino Gesù. Anna fréquente le temple tous les jours en se consacrant à son service. Tous deux reconnaissent la présence du Seigneur dans l'enfant Jésus, qui comble de consolation leur longue attente et donne la sérénité à la fin de leur vie. Et c'est une scène de rencontre et de congé avec Jésus. Alors, que pouvons-nous apprendre de ces deux figures de personnes âgées pleines de vitalité spirituelle? Nous apprenons que la fidélité de l'attente affine les sens. Du reste, nous le savons, c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il illumine les sens. Dans l'ancien hymne « Veni Creator Spiritus » avec lequel nous invoquons aujourd'hui encore l'Esprit Saint, nous disons « Accende lumen sensibus »,« Mets en nous ta clarté, embrase-nous ». L'esprit est capable de faire cela. Il aiguise le sens de l'âme malgré les limites et les blessures des sens du corps. La vieillesse affaiblit, d'une manière ou d'une autre, le corps dans sa matérialité. Cependant, une vieillesse qui s'est préparée dans l'attente de la visite de Dieu ne manquera pas son passage mieux. Elle sera même plus prompte à l'accueillir. Elle aura plus de sensibilité pour accueillir le Seigneur quand il passera. C'est un comportement chrétien que d'être attentif aux visites du Seigneur, parce que le Seigneur passe dans notre vie avec les méditations, l'inspiration, l'invitation à être meilleur. Et saint Augustin disait: j'ai peur de Dieu quand il passe. Mais pourquoi as-tu peur? Eh bien, j'ai peur de ne pas me rendre compte qu'il passe et de le laisser passer. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui prépare les sens pour nous faire comprendre lorsque le Seigneur vient nous visiter, comme cela fut le cas pour Siméon et Anne. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'une vieillesse dotée de sens spirituel vif et capable de reconnaître les signes de Dieu. Voire même le signe de Dieu, qui est Jésus. Un signe qui nous met en crise. Souvent, Jésus nous met en crise. Parce que c'est un signe de contradiction. Mais il nous remplit d'allégresse. Non necessariamente ti porta la tristezza, no? Essere in crisi nel servizio del Signore ti dà una. Être en crise ne nous conduit pas forcément à,
à la tristesse, mais ça peut nous amener une certaine paix. Alors l'anesthésie des sens spirituels, dans l'excitation et l'étourdissement de ceux du corps, est un syndrome répandu dans une société qui cultive l'illusion de l'éternelle jeunesse, et son trait le plus dangereux est qu'elle n'en a même pas conscience. On ne se rend pas compte d'être anesthésié. Et cela arrive. Ça arrive depuis tout le temps, dans tous les temps, et même aujourd'hui, les sens anesthésiés, sans comprendre ce qu'il se passe. Les sens intérieurs, le sens de l'esprit pour comprendre la présence de Dieu, ou même la présence du mal, complètement anesthésiés, qui nous empêchent donc de distinguer. Et quand on perd la sensibilité du toucher et du goût, on s'en rend compte immédiatement. Mais la sensibilité de l'âme, on peut l'ignorer pendant longtemps. Il ne s'agit pas simplement de la pensée de Dieu ou de la religion. L'insensibilité des sens spirituels concerne la compassion et la pitié, la honte et le remords, la fidélité et le dévouement, la tendresse et l'honneur, la responsabilité envers soi et le souci pour les autres. C'est curieux, hein? L'insensibilité ne nous fait pas comprendre la compassion, elle ne nous fait pas comprendre la pitié. Elle ne nous permet pas d'avoir honte ou d'avoir des remords d'avoir fait une chose mauvaise. Et ainsi, les sens spirituels anesthésiés nous font confondre tout et nous, on ne sent spirituellement plus rien. Et la vieillesse devient, pour ainsi dire, la première victime, la première victime de cette perte de sensibilité. Dans une société qui exerce la sensibilité avant tout pour le plaisir, il ne peut y avoir qu'une perte d'attention envers les plus fragiles, et la compétition des vainqueurs prévaut, et ainsi on perd la sensibilité. Alors, la rhétorique de l'inclusion est la formule rituelle de tout discours politiquement correct, mais elle n'entraîne pas encore une véritable correction des pratiques de la vie commune normale. Une culture de la tendresse sociale peine à se développer. Non, l'esprit de fraternité humaine que j'ai senti la nécessité de relancer avec force est comme un vêtement qu'on ne porte plus, à admirer, certes, mais dans un musée, et on perd cette sensibilité humaine. Il est vrai que dans la vie réelle, nous pouvons observer avec gratitude le témoignage émouvant de nombreux jeunes qui honorent pleinement cette fraternité. Mais c'est ici que le bât blesse. Il y a un fossé coupable entre le témoignage de cette sève de tendresse sociale et le conformisme qui oblige la jeunesse à se raconter d'une toute autre manière. Que pouvons-nous faire pour combler ce fossé? Du récit de Siméon et Anne, mais aussi d'autres récits bibliques de la vieillesse sensible à l'esprit, découle une indication cachée qui mérite d'être mise en évidence. En quoi consiste concrètement la révélation qui embrase la sensibilité de Siméon et Anne? Elle consiste à reconnaître dans un enfant que eux n'ont pas engendré et qu'ils voient pour la première fois le signe certain de la visite de Dieu. Ils acceptent de ne pas être les protagonistes, mais seulement les témoins. Et lorsque l'on accepte de ne pas être le protagoniste, mais que l'on est impliqué comme témoin, alors les choses vont beaucoup mieux. Cet homme ou cette femme grandit correctement. Mais si on a un désir de protagonisme ou rien d'autre, alors on ne pourra pas accomplir
ce chemin vers la plénitude de la vieillesse. La visite de Dieu ne s'incarne pas dans leur vie. Elle ne les fait pas entrer en scène comme des sauveurs. Dieu ne prend pas chair dans leur génération, mais dans la génération future. Ils perdent l'esprit, ils perdent l'envie de vivre dans la maturité. Et comme on dit, on vit finalement dans la superficialité. Il y a une grande génération de superficieux. Alors pourquoi ne se permet-il pas d'approfondir et de retrouver cette sensibilité? Un peu par paresse, mais surtout parce qu'ils l'ont perdue et ils ne repartent pas à la recherche, alors que lorsque l'on trouve des personnes âgées, comme Siméon et Anne, qui conservent cette sensibilité de l'esprit, ces deux-là peuvent comprendre différentes situations comme ils ont compris la situation qu'ils avaient devant eux, qui est la manifestation de Dieu. Nessun risentimento e nessuna recriminazione per questo quando sono in questo stato di. Pas de ressentiment ou de récrimination pour cela. Quand ils sont, quand on est dans cet état d'entre deux. Au contraire, c'est une grande émotion, une grande consolation. Par exemple, quand on a les exercices spirituels forts, l'émotion et la consolation de pouvoir voir et annoncer que l'histoire de leur génération n'est pas perdue ou gâchée, précisément à cause d'un événement qui prend chair et se manifeste dans la génération qui suit. Et c'est la beauté que ressent une personne âgée lorsque les petits-enfants viennent parler avec eux, ils se sentent vivants. Et donc, ma vie est encore ici. Et ça, c'est important. Et c'est important d'aller voir les personnes âgées, de les écouter. C'est important de parler avec eux. Et c'est ainsi que l'on fait cet échange de maturité, de civilisation avec les personnes âgées. Et c'est ainsi que notre civilisation peut aller de l'avant de façon mûre. Seule la vieillesse spirituelle peut offrir ce témoignage, humble et éblouissant, en lui conférant autorité et exemplarité pour tous. La vieillesse qui a cultivé la sensibilité de l'âme éteint toute jalousie entre les générations, tout ressentiment, toute récrimination pour un avènement de Dieu dans la génération qui suit, qui arrive comme pour accompagner sa propre fin. Et c'est ce qu'il arrive chez les anciens ouverts, avec des jeunes ouverts. Ils échangent et les personnes âgées, l'ancienne génération, consignent la propre vie, remet sa propre vie aux nouvelles générations. Et maintenant, comme dit Siméon, je peux aller en paix. La sensibilité spirituelle de la vieillesse est capable de briser la compétition et le conflit entre les générations de manière crédible et définitive. Et les anciens, les personnes âgées avec cette sensibilité, dépassent le conflit, ils vont beaucoup plus loin, ils vont vers l'unité, non vers le conflit. Et cela, certainement, n'est pas possible, impossible même pour les hommes. Mais c'est une possibilité pour Dieu. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup besoin de cette sensibilité de l'esprit, de cette maturité de l'esprit. Nous avons besoin de personnes âgées, sages, mûres dans l'esprit, qui puissent nous donner une espérance pour la vie. Merci. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience,
nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre catéchèse sur le thème de la vieillesse, en considérant ce matin les figures de Siméon et Anne, qui, sûrs de leur espérance, attendent le Messie. Ces deux anciens, pleins de vitalité spirituelle, nous apprennent que la fidélité de l'attente affine l'essence de l'âme. C'est ce que nous demandons encore à l'Esprit-Saint dans l'hymne du Veni Creator. Aujourd'hui, plus que jamais, dans l'étourdissement des sens corporels et l'illusion d'une éternelle jeunesse, nous nous trouvons face à une anesthésie, souvent inconsciente, des sens spirituels. La sensibilité de l'âme ne touche pas seulement la pensée de Dieu ou la religion, mais aussi la compassion et la pitié, la honte et le remords, la fidélité et le dévouement, la tendresse et notre responsabilité envers l'autre. On entend bien cette rhétorique de l'inclusion des plus fragiles dans les discours politiquement corrects, mais dans la pratique, l'esprit de la fraternité humaine, qu'il m'a semblé nécessaire de relancer avec force, est comme un vêtement élimé, à admirer certes, mais dans un musée. Malgré le conformisme ambiant, nous pouvons observer le témoignage émouvant de tant de jeunes qui honorent pleinement cette fraternité et manifestent cet élan vital de tendresse sociale. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni presenti a questa udienza, in particolare i membri del gruppo di amicizia Francia-Italia. Riconoscendo il bambino che vedono per la prima volta e che non hanno generato loro, Simeone e Anna accettano di non essere i protagonisti, ma testimoni discreti e fedeli della venuta del Messia. Solo la sensibilità spirituale della vecchiaia può dare questa testimonianza umile e esemplare e abbattere la competizione o i conflitti tra le generazioni. Dio vi benedica. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française présentes à cette audience, en particulier les membres du groupe d'amitié France-Italie. En reconnaissant l'enfant qu'ils voient pour la première fois et qu'ils n'ont pas engendré, Siméon et Anne acceptent de n'être pas des protagonistes, mais des témoins discrets et fidèles de l'avènement du Messie. Seule la sensibilité spirituelle de la vieillesse peut donner ce témoignage humble et exemplaire et abattre les compétitions ou les conflits entre les générations. Après les résumés de la catéchèse en français, voici maintenant le résumé de l'audience en anglais. Wish to express to you their sentiments of respect and esteem and assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly
and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the meaning and value of old age, in the light of God's word, we now consider how the elderly Simeon and Anna can serve as an example for all the elderly. They too are called to offer a personal witness of faith and trust in the fulfillment of God's promises, and thus build bridges between the generations. While the passing of years dulls the physical senses, at this precious time in life, the Holy Spirit can sharpen our spiritual senses. How much our society needs older persons capable of recognizing and welcoming Christ's presence and the gifts of his Spirit. A society that exalts pleasure and cultivates the illusion of eternal youth can easily grow anesthetized to the essential spiritual values of faith, wisdom, compassion, and care for those in need. The lives and witness of the elderly can ensure this spiritual grounding and teach us the primary importance of discerning God's presence in our daily lives and the unfolding of his saving plan from one generation to the next. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, in particolare quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Israele, Stati Uniti. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla celebrazione della Pasqua con il cuore purificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. Su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace in Cristo nostro risorto. Je salue les pèlerins anglophones présents à l'audience d'aujourd'hui, en particulier ceux qui proviennent d'Angleterre, du Danemark, des Pays-Bas, de Suède, d'Israël et des États-Unis d'Amérique. Je souhaite à tous que le chemin du carême vous conduise à la célébration de Pâques avec des cœurs purifiés et renouvelés par la grâce de l'Esprit-Saint. Sur chacun de vous et sur vos familles, j'invoque la joie et la paix en Christ, notre Rédempteur. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Lesung hörten wir von den beiden hochbetagten Menschen Simeon und Hanna. Sie leben ganz in Erwartung des kommenden Christus. Als Jesus dann schließlich in den Tempel gebracht wird, erkennen sie in dem Kind, erleuchtet vom Heiligen Geist, sogleich die Gegenwart des Herrn. Wenn auch im Alter die körperlichen Sinne nachlassen,
So entwickelt sich in anderer Hinsicht oft eine ganz besondere Sensibilität. Wir sind heute vor lauter äußeren Sinnesreizen so benommen oder gar abgestumpft, dass wir nicht einmal mehr spüren, wie unsensibel wir vielfach geworden sind. Mehr denn je braucht unsere Zeit Menschen mit einem lebendigen geistig-geistlichen Sensorium, das in der Lage ist, die Zeichen Gottes zu erkennen, insbesondere das Zeichen seines menschgewordenen Sohnes Jesus Christus. Dieser, so die weitsichtige Prophezeiung Simeons, ist ein Zeichen, dem widersprochen wird, das uns aber mit tiefer Freude erfüllt. Eine solche geistliche Sensibilität, wie sie Simeon und Hanna zu eigen war, betrifft nicht nur das Religiöse im engeren Sinn, sondern überhaupt so grundlegende Kompetenzen wie Erbarmen und Mitgefühl, Scham und Reue, Treue und Hingabe, Zärtlichkeit und Ehre, Eigenverantwortung und Sorge für andere. Um einer guten Zukunft willen, helfe uns der Herr, diese Fähigkeiten neu zu entdecken. Cari fedeli di lingua tedesca, nella Quaresima siamo invitati a aprirci al Signore attraverso il digiuno e la preghiera e a diventare sensibili ai bisogni del prossimo. Vi chiedo di pregare per me come anch'io prego per voi. Chers fidèles germanophones, pendant le carême, nous sommes invités à nous ouvrir au Seigneur par le jeûne et la prière et à devenir sensibles aux besoins de notre prochain. Je vous demande de prier pour moi comme je prie aussi pour vous. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Et en espagnol, le résumé de l'audience sera directement donné par le Saint-Père, puisqu'il s'agit de sa langue maternelle. La bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la ancianidad y hoy contemplamos de modo especial a Simeón y Ana. La razón de vivir de estos ancianos era esperar la visita de Dios. Y lo hicieron llenos de vitalidad espiritual, en una actitud de oración y de servicio. Al final de sus vidas, ambos supieron reconocer en el niño Jesús al Salvador, fuente de paz y de consuelo. Su ejemplo nos enseña que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más sensibles para reconocer los signos de Dios. En una sociedad como esta, que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad, y por lo tanto de descartar a las personas mayores que van perdiendo la fuerza de la juventud. Por eso es importante el diálogo entre las generaciones, jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos
promoviendo un espíritu de fraternidad y me atrevo a decir la palabra de ternura social. Que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos ayude a crecer en ternura social. Saludo cordialmente. Je salue cordialement les fidèles de langue espagnole. En gardant à l'esprit le témoignage de Siméon et Anne, demandons à l'Esprit Saint d'éclairer nos sens spirituels afin que nous puissions découvrir les signes de Dieu dans nos vies et être des témoins joyeux de sa présence dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, les Espagnols toujours nombreux et joyeux, et puis c'est un signe que le tourisme et les pèlerinages eh bien, ont repris, puisque pendant cette période de Covid, il y avait peu de tourisme, moins d'étrangers à l'audience, et l'on voit aujourd'hui, notamment en entendant ces cris de joie des pèlerins de langue espagnole, eh bien que voilà, il y a du mouvement et que le plus dur de la pandémie est peut-être, espérons-le, derrière nous. Résumé donc maintenant en portugais de l'audience générale. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes traguem consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na nossa reflexão sobre a velhice, detemo-nos hoje com dois idosos, Simeão e Ana. A sua razão de viver antes de deixar este mundo é esperar a visita de Deus. Ambos reconhecem a presença do Senhor no menino Jesus, que enche de consolação a sua longa espera e de serenidade sua despedida da vida. Na sua história, há uma indicação oculta que merece ser trazida à luz. Em que consiste a revelação que acende a sensibilidade de Simeão e Ana? Consiste em reconhecer o sinal seguro da visita de Deus, numa criança que não geraram, e que vem pela primeira vez. Eles aceitam não ser protagonistas, mas apenas testemunhas. A visita de Deus não se realiza na vida deles, não os coloca em cena como salvadores. Deus não toma carne na sua geração, mas na geração sucessiva. Isso, porém, não causa neles qualquer ressentimento nem lamentação. O que vemos é grande júbilo e consolação, podendo ver e anunciar a história da sua geração, não foi inútil nem desperdiçada. Precisamente graças a um evento que toma corpo e se manifesta na geração seguinte. Só uma velhice animada pelo Espírito Santo pode dar este testemunho humilde e feliz, tornando-a exemplar para todos. A velhice que cultiva a sensibilidade da alma extingue toda inveja entre as gerações, todo ressentimento ou lamento por uma vinda de Deus na geração que se lhe segue, que chega juntamente com a despedida da própria geração. A sensibilidade espiritual da terceira idade é capaz de quebrar a competição e o conflito entre as gerações de forma credível e definitiva. E se isso parecer impossível aos homens, não é para Deus.
Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Cari fidelli di lingua portoghese, e in particolare il gruppo del collegio. Chers fidèles de langue portugaise, fidèles lusophones et en particulier le groupe du Collège Nossa Senhora de Lourdes à Porto et les autres groupes de pèlerins en provenance du Portugal, bienvenue. Je vous salue tous de tout cœur et je confie au bon Dieu vos vies et celles de vos familles en invoquant pour tous les consolations et les lumières de l'Esprit-Saint afin que, après avoir surmonté les pessimismes et les déceptions de la vie, vous puissiez franchir le seuil de l'espérance que nous avons dans le Christ notre Seigneur. Et je compte sur vos prières. Merci. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, em particular o grupo do Colégio Nossa Senhora de Lourdes do Porto, e os outros grupos de peregrinos de Portugal, sejam bem-vindos. De coração, saúdo a todos e confio ao bom Deus a vossa vida e a dos vossos familiares, invocando para todos a consolação e luzes do Espírito Santo, a fim de que, vencidos pessimismos e as desilusões da vida, possais cruzar o limiar da esperança que temos em Cristo Senhor. Conto com as vossas orações. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الأمانة لزيارة الله للجيل القادم وقال: كان سبب بقاء سمعان وحنة على قيد الحياة هو انتظارهما لزيارة الله لهما. عرف سمعان من الروح القدس أنه لن يموت قبل أن يعاين مسيح الرب، وبقيت حنة تتردد كل يوم إلى الهيكل مكرسة نفسها لخدمته. وتساءل قداسته: ماذا يمكننا أن نتعلم من سمعان وحنة الطاعنين في السن والمليئين بالحيوية الروحية؟ يمكننا أن نتعلم أن الأمانة في انتظار الرب تنقي الحواس، والروح القدس نفسه هو من ينير حواسنا الروحية خاصة حتى لو كبرنا بالسن. الإحساس الروحي لا يشمل فقط التفكير في الله أو في الدين، بل هو الرحمة والرأفة والخجل والندم والأمانة والتفاني والحنان والشرف والمسؤولية الشخصية والشعور بألم الآخر. وفي مجتمع يمارس أولاً الحواس من أجل الاستمتاع لا يمكن أن ينتبه إلى الأضعفين، وستسوده روح المنافسة وروح الأقوياء. من قصة سمعان وحنة نجد أيضاً أن كليهما عرفا أنهما ليسا من الشخصيات الرئيسية، بل هما مجرد شاهدين، وأن الشخصيات الرئيسية سوف تظهر في الجيل الذي سيأتي بعدهم، ولهذا فهم لنا مثال صادق نقتدي به. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية
لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Terra Santa, dalla scuola dei suore di Nazare di Haifa. La vecchiaia che ha coltivato la sensibilità dell'anima spegne ogni risentimento o recriminazione tra le generazioni per un avvento di Dio nella generazione successiva ed è in grado di abbattere la competizione e il conflitto generazionale in modo credibile e definitivo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Je salue les fidèles arabophones, en particulier ceux qui viennent de Terre Sainte, qui viennent notamment de l'école des Sœurs de Nazareth à Haïfa. La vieillesse qui a cultivé la sensibilité de l'âme éteint tout ressentiment et toute récrimination entre les générations pour un avènement de Dieu dans la génération suivante. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w naszych katechezach na temat starości przyglądamy się dzisiaj biblijnym postaciom osób starszych, Symeonowi i Annie, którzy oczekiwali na nawiedzenie Boga. Czego możemy się nauczyć od tych dwóch osób? Przede wszystkim dowiadujemy się, że wierność oczekiwania wyostrza zmysły. W hymnie do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus mówimy: światłem rozjaśnij naszą myśl. To On wyostrza zmysły duszy, pomimo ograniczeń zmysłów ciała, które starość w taki czy inny sposób osłabia. Jednak starość spędzona w oczekiwaniu na nawiedzenie Boga nie przeoczy Jego przyjścia. Symeon i Anna rozpoznają w dziecku, którego nie urodzili i które widzą po raz pierwszy, pewny znak nawiedzenia Boga. Godzą się, że nie są głównymi bohaterami, a jedynie świadkami. Nawiedzenie Boże nie wprowadza ich na scenę jako wybawicieli. Bóg nie staje się ciałem w ich pokoleniu, lecz w pokoleniu, które nadejdzie. Nie ma w nich żadnych pretensji, a jest natomiast wielkie wzruszenie i pocieszenie. Wzruszenie i pociecha z tego, że mogą zobaczyć i ogłosić, iż historia ich pokolenia nie jest stracona ani zmarnowana właśnie z powodu wydarzenia, które się ucieleśnia i objawia w pokoleniu następnym. Duchowa wrażliwość starości jest w stanie w sposób wiarygodny i ostateczny przełamać konflikt między pokoleniami. Jest to niemożliwe dla ludzi, ale możliwe dla Boga. A dzisiaj jest to nam tak bardzo potrzebne. Obecnie Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. I vostri anziani possono insegnare. I vostri anziani possono insegnare alle nuove generazioni come confidare in Dio, come essere misericordiosi e pregare con fervore non solo in tempi sereni, ma soprattutto in quelli difficili.
incoraggio, seguendo il loro esempio, a continuare il cammino quaresimale di conversione per arrivare alla celebrazione della resurrezione del Signore con un cuore rinnovato. Benedico di cuore voi qui presenti e i vostri cari. Je salue cordialement tous les Polonais. Vos aînés peuvent enseigner à la jeune génération comment faire confiance à Dieu, comment être miséricordieux et comment prier avec ferveur, non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. Je vous encourage, en suivant leur exemple, à poursuivre le chemin de conversion du carême afin d'arriver à la célébration de la résurrection du Seigneur avec un cœur renouvelé. Je vous bénis cordialement, vous, ici présents, et vos proches. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione dell'udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica. Voilà, c'est un Italien qui terminera comme langue cette audience que l'on explique qu'après les saluts du pape aux fidèles et pèlerins italiens venus à l'audience, eh bien, la prière de notre Père en latin sera récitée au terme de cette audience. Chers frères et sœurs, samedi prochain, je me rendrai à Malte. Dans cette terre lumineuse, je serai pèlerin sur les traces de l'apôtre Paul, qui a été accueilli là-bas avec une grande humanité, après avoir fait naufrage en mer alors qu'il était dirigé vers Rome. Ce voyage apostolique sera aussi l'occasion pour aller aux sources de l'annonce de l'Évangile, pour connaître personnellement une communauté chrétienne à l'histoire millénaire et vive, et pour rencontrer les habitants d'un pays qui se trouve au centre de la Méditerranée et au sud du continent européen, aujourd'hui encore engagé pleinement dans l'accueil de frères et sœurs à la recherche d'un refuge. Je salue d'ores et déjà tous les Maltais en vous souhaitant une bonne journée. Je remercie ceux qui se sont engagés à la préparation de ce voyage et je demande à chacun de m'accompagner avec la prière. Merci. Je souhaite une bienvenue cordiale aux pèlerins de langue italienne. En particulier, je salue l'Association nationale de récupération des irrigations, que j'encourage à poursuivre avec soin le travail de gestion de l'eau, un patrimoine inestimable. Je salue l'Union générale du travail, engagé dans la protection des droits des travailleurs. Je salue aussi les représentants de la marine de Tarente et l'équipe nationale de football des transplantés. J'adresse un salut particulièrement affectueux aux enfants ukrainiens. Accueillis par la Fondation Aidons-les à vivre, Aiutiamoli a vivere, et par l'association Puer et par l'ambassade d'Ukraine auprès du Saint-Siège. Et avec ce salut aux enfants, revenons
Nous pensons une nouvelle fois à la monstruosité de la guerre et renouvelons nos prières pour que s'arrête cette cruauté sauvage qu'est la guerre. Enfin, comme d'habitude, mes pensées vont aux personnes âgées, aux malades, aux jeunes et aux jeunes mariés. Dans cette ultime partie du chemin de carême, regardons la croix du Christ, la plus haute expression de l'amour de Dieu, et efforçons-nous d'être toujours proches de ceux qui souffrent, de ceux qui sont seuls, des faibles qui subissent la violence et qui n'ont personne, personne pour les défendre. À vous tous, ma bénédiction. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Avec cette prière réciter de façon chorale le Notre Père en latin, avec ses applaudissements finaux, avec la bénédiction du Saint-Père. Cette audience se termine. Le pape salue les quelques-uns des évêques et religieux présents à cette audience. Et nous a donné rendez-vous pour son tout prochain voyage à Malte, samedi 2 et dimanche 3 avril, un voyage court mais qui s'annonce intense, et le Saint-Père a déjà donné le ton en parlant notamment de l'accueil des réfugiés dans ce pays qui est à la fois dans l'Union européenne mais aussi au centre de la Méditerranée. Pour toutes les informations concernant l'audience générale du pape François et plus encore, je vous invite à consulter le site internet vaticannews.va, d'être à l'écoute des émissions en français de Radio Vatican, aussi bien les journaux chaque jour, 8h30, 13h et 18h, et puis notre magazine pour l'Afrique. J'en profite pour faire un petit coucou à toute l'Afrique et tous nos amis africains qui étaient avec nous ce matin à l'audience. En vous remerciant, vous souhaitant une excellente journée de la part de Jean-Charles Puzzolo et de toute l'équipe du pôle francophone du Dicaster pour la communication. A très bientôt, là au détour, Jésus Christus.